c'est aujourd'hui, donc je vais vous expliquer le contexte ici, le contexte ou surtout le comment dire l'objectif, hein, l'objectif premier. Attendez que je que je vous présente là maintenant. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas du tout une vidéo, on va dire, à prendre à la légère, puisque ici. Eh bien, on est parti pour du ranked, essentiellement. C'est-à-dire, on va essayer de se donner régulièrement rendez-vous ici sur Street Fighter V. Question de vous garder en haleine, hein, jusqu'à ce fameux classement. Ce classement pour atteindre l'euro, le titre de silver, argent, hein, tout simplement. Un classement. Pour un début, je trouve assez intéressant et un objectif, on va dire du moins, assez intéressant. Donc c'est moi-même, donc US, hein, votre commentateur préféré, j'ose l'espérer en tout cas, qui vais donc vous commenter du mieux que possible ici ces combats épiques qui vont justement nous amener jusque à cet objectif qui est de devenir donc Silver. Vous l'avez bien saisi, vous l'avez bien compris. Alors, moi j'ai envie de vous dire, eh bien... Fighter en herbe, c'est parti donc pour cette aventure qui vont, je l'espère, vous garder en haleine palier après palier. Donc ici, on est en train de faire quelques petits réglages. Donc voilà, vous comprendrez, hein, je suis en compagnie ici, évidemment, de Afropunch, hein, qui va vous proposer ici quelques parties, je l'espère, avec votre participation pour corriger ce qui doit être corrigé, avec votre participation également pour, pourquoi pas, proposer quelques tips et astuces pour s'améliorer, parce que, évidemment, le but ici de vous partager ces vidéos, c'est essentiellement de pouvoir avoir les meilleurs conseils que possible. Et donc, on compte sur vous. Ce sera aussi votre victoire, ce sera aussi votre progression ici sur la chaîne. C'est parti pour le premier combat. Hein. Je suis également en train de, voilà, d'apprendre sur le tas, hein, la manière la plus appropriée de vous commenter tous ces matchs. C'est parti ici pour le premier match. Donc on est vraiment au niveau le plus bas, hein. On n'a jamais fait de classement. C'est vraiment le tout premier match et ce sera contre Kage, le nouveau venu sur Street Fighter V. C'est parti, hein, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme pour le premier match. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'air de quelque chose, mais j'ai vu, il doit s'approcher à chaque fois. Alors c'est parti, alors je suis donc évidemment disponible, hein, si les termes ne sont pas appropriés, n'hésitez pas de me corriger par rapport à tout ça. Hein. Donc comme ça moi aussi je découvre et j'apprends évidemment sur Street Fighter pour vous commenter du mieux que possible. C'est parti, Laura contre Kage donc, c'est parti pour la dragon, hein, sur la pression à distance ici. Ah, et c'est pour l'instant la distance qui va être, on va dire, mieux gérée pour l'instant par Kage. Laura qui va casser la distance, attention, quelques petits pokes là. Passe. Ah, on saute énormément, hein. On voit bien que aïe aïe aïe, le point, le pied lourd, pardon, qui a manqué, hein, de confirme de la part ici de Kage. Et ici on casse la distance, c'est parti pour la chope, hein, de Laura qui passe bien en deux hits. On continue, on enchaîne encore une fois de plus avec cet enchaînement, le Thunderbolt qui passe, le stun derrière, on va essayer de confirmer, de terminer encore avec cette chope, une superbe enchaînement qui permet ici le KO. C'est parfait, allez c'est parti pour le round 2. Kage qui temporise, attention, le point lourd vers le bas, le pied lourd, pardon, attention, attention, on attaque là, qui est bien gardé, attention, l'enchaînement ici, magnifique, on voit bien que Doombraté comprend quand même son personnage, il gère assez bien son Kage pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, attention, le V reversal qui permet de se dégager, Laura qui casse la distance, attention, les petits pots qui passent, et là, Kage qui fait donc cette espèce de saut et de coup pied piqué, qui confirme, c'est confirme qui passe bien avec le drag. On y est. Et là, directement, la réaction de Laura avec cette ulti qui va faire des dégâts énormes. Attention, pif peut-être ici. Attention encore Laura. Laura qui va essayer de faire une remontade. Oh, le KO. On n'y croyait quasiment plus. Et là, c'est la remontada qui permet à Laura, à Afropunch, de justement ici pouvoir gagner son premier match.
Très bien, j'espère que vous avez apprécié ce premier combat, ma foi, qui était assez virulent, assez on va dire, épique, hein, avec un 2-0 vraiment bien joué de la part de Laura, avec Afro Punch, hein, qui repart là. Attention, donc, le Thunderbolt, hein, qui permet ici de retenir le Bull Dragon. Encore la chope qui passe, encore pour la deuxième fois. Kageki est remonté, évidemment. Il va essayer ici certainement de faire beaucoup mieux que tout à l'heure, que lors du premier match. Vous l'avez bien compris, le stun. Et là, la prime, il a la haine. On voit directement qu'il sort son dragon EX. Et là, ça va être la mort. Ah non, Laura qui va essayer de réagir ici. Afro Punch qui tente quand même. C'est lourd, hein, c'est lourd. C'est du lourd en tout cas, là pour l'instant la réaction est immédiate du côté de Adumbraté. C'est parti pour le deuxième combat ici. Kage qui se fait grand scooter ici avec un chop derrière le hit qui est confirmé. Et encore le Dragon EX. Et là encore l'enchaînement qui est bien maîtrisé pour l'instant, les confirme qu'il passe assez bien. La chop qui passe pour la deuxième fois, attention au stun, on se dégage tranquillement avec le Thunderbolt. L'enchaînement ici avec Laura qui met une pression énorme. Là encore le Dragon EX qui va sortir, attention à la relevée. Malheureusement l'esquive ici derrière la punition. Ouh, la punition qui ne passe pas. Et là c'est Laura qui passe avec sa chop spé juste après son coup moyen je suppose, hein, c'était ça il me semble. Attention Kage qui passe en V-Trigger qui l'active. Il va se dégager encore avec son dragon. Attention dragon, encore une deuxième fois de suite. Ah bon, c'était juste un point moyen vers le bas, il me semble, hein, c'est ça. Ah ouais, là c'est un 2-0. 2-0 retour ici de Kage. Kage qui réagit et qui met à terre notre Afro Punch. Alors donc c'est on va dire une partie pour chacun. Est-ce qu'il y aura la belle? Ok, la belle pour séparer ces deux combattants, à savoir Adumbraté et Afro Punch. C'est parti. Ouf, encore l'entière ici avec ce beau dragon ici placé par Kage. La pression en bonne garde de Laura. Laura qui vient, qui casse la distance, elle confirme qu'il passe avec l'overhead. Attention encore une fois, une pression ici de la part de Laura. L'overhead qui passe encore, le stun. Et là, le Thunderbolt pour moi, confirmé ici avec la Shop Spé. On va terminer, je suppose. La manip qui n'a pas fonctionné, on saute dessus et ça meurt. Et ça meurt du côté de Kage. Ouais, c'est parti, Laura qui gagne la première manche. Attention à la réaction ici de Kage. Le overhead ici qui fait extrêmement mal, hein, de Laura. Attention à Afro Punch là qui est acculé. La chope qui passe. La boule dragon et le saut pour pouvoir confirmer ce combo. On rate ses cross-up, hein, du côté de Kage, on le sent. Et ici encore les confirmes de Laura qui vont certainement maintenir cette pression. Il faut surtout pas lâcher le cross-counter et le chop la spéciale qui est gardé. Ouh là là, magnifique ici, puisque l'ulti de Kage s'écrase sur la garde de Laura qui avait prévu le coup. Attention à la chaud, au trigger activé, la pression ici de Laura, encore avec le Thunderbolt, l'override qui fait toujours aussi mal, et le 2-0, et là, clairement, on a senti que Laura et ses overheads ont permis ici à Afro Punch de pouvoir évidemment maintenir une avance considérable sur son adversaire au niveau du jeu. Il n'y avait pas photo, hein. Clairement, on a senti. Afro Punch a vraiment compris les faiblesses de son adversaire, et ce après son deuxième match.